Station fréquence, c'est le boss 1351 à vous de la part de Dandy 33. C'est parti pour le QSO national du KF27. Donc on est le vendredi 4 novembre 2016. Alors est-ce qu'il y a du monde en attente derrière? Soit il y en a, ils n'ont pas encore pris l'apéro, ou alors c'est le digestif qui n'est pas encore passé. Attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27. Bon, ben on va attendre un peu. Ok, Florent Galgon, les bonnes sont 13-51 à toi. Voilà, tu es. C'est un petit peu diesel aussi ce soir. Tu es le premier arrivé. Ok, j'ai entendu ça, mais ouais, 73-51. Ok, c'est soir, il n'y a rien, c'est soit tout d'un coup, hachi trois coups. Il y a Thierry qui vient d'arriver en fanfare, hachi c'est le cas de le dire. Thierry, si, suivant ce que tu veux dire, il y a une vidéo là qui est démarrée là, pour la première demi-heure. Alors suivant ce que tu as à lui dire, je te préviens avant. Ah, je comprends pourquoi tu es branché à 200 à l'heure. Ah oui, d'accord. Ouais, juste avant, j'étais aussi en stand-by, Pio. Là, c'était pas mal, votre QSO. Ouais. Ah, tu veux les écouter? Ben, juste là, c'est pas compliqué. À moins 5, moins 10, je suis grimpé. Et puis, paf, je suis vite redescendu. Puis voilà, quoi. J'ai dû rester, quoi, allez, à tout casser 3 minutes. Ouais, ça parlait de paix, de chasse et cuisine. Salam alaikum. Les 73 Eric, les 73 Christophe. 14 Olière 07 spécial pour l'opérateur Eric. Bonsoir à tout le monde. Ah, excuse, ok, bien reçu, j'ai repris le micro trop vite. Les 73 Eric, les 73 Christophe. Vas-y, Christophe vient juste de relâcher le micro. Ok, mais 73 Christophe. En fait, j'ai une commission. J'ai une commission à te faire. Voilà, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que ta rondelle va bien. À qui que quoi? À toi,
je parle, Rémi. J'espère que t'as passé une bonne semaine et que ta rondelle va bien. Oh putain. Génial. En plus, ça s'est enregistré. Ouais, de ce côté-là, tout va bien. Je suis trois coups. Parce que celui-là qui me l'a dit, normalement, il n'est pas là ce soir. Hein. Non, normalement, il m'a dit qu'il ne sait pas s'il serait là ce soir. Mais il m'a dit tu feras le QSP de dire, demander à Rémi si sa rondelle va bien. Ah, tu dis, t'inquiète pas, je vais lui demander, moi. Ouais, ok, ça mérite une petite explication. J'ai un petit souci d'antenne au niveau du push avec la Sigma Jura 10. Pour qui, pourquoi, je suis passé de, allez, on va dire de 1,1 de TOS à maxi. Non, à 2 de TOS. Non, même plus, ouais, enfin autour de ça, à 2 de TOS. Et impossible de régler. En descendant sur le 25 mégas, enfin sur le haut du 25 mégas, là ça allait, j'avais 1 de TOS, mais dès que je remontais, ça repartait à fond. J'ai un peu raccourci l'antenne, le réglage étant poussé, étant rentré au maximum, j'ai raccourci un peu l'antenne, je contrôle. Alors, j'ai bien dû enlever peut-être 1,5 cm. Et toujours pas de changement au niveau du TOS. Ok, je vire l'antenne, je mets à la place une Santiago 1200, et là, nickel, impeccable, réglé au poil. Sauf que le truc qui se passe, qui s'est passé, c'est que le diamètre d'une Santiago 1200 est un peu supérieur au niveau de la taille de la portée, quoi, de la self, là, en dessous, par rapport au diamètre extérieur de l'embase. Donc, en vissant l'antenne, eh bien, celle-ci venait se visser un peu trop sur l'embase, et ce qui fait que ça venait un peu trop appuyer sur le connecteur central, quoi. Et si au début ça allait, c'est quand c'est avant-hier, j'ai eu quelqu'un là du département 09, et bon, je me suis vite garé comme ça dans les chemins et tout, et l'antenne en bougeant un petit peu, je me suis retrouvé avec un TOS infini. Et justement, c'était à cause du fait que la Santiago 1200 venait un peu trop se visser sur l'embase. Parce que quand on regarde une Santiago 1200, on s'aperçoit qu'entre la partie qui porte là en dessous et le rebord en plastique là qui est autour, il y a un écart. Et c'est à cause de ça que ça me foutait du TOS, parce que l'antenne se vissait beaucoup trop dedans, quoi. Alors c'est pour ça que je me suis découpé une rondelle en plastique de même épaisseur qui m'a permis de combler l'espace. Et là, ben, tout est rentré dans l'ordre. J'ai 1,1 de TOS, nickel. Ça résout tout de suite la question du diamètre de la rondelle. Voilà, c'est bien ça. Ouais, ouais, mais comme nous a dit notre ami Judo, c'est moi. Moi je cache pas, c'est Judo. Judo, on a parlé séquence hier soir. Je sais pas si je serai là. Bon, je sais pas s'il est là, même s'il est derrière, bon, c'est pas grave. Hein, s'il arrive après, mais tu demanderas en fait à Rémi s'il a toujours ses problèmes de rondelle. Ah, il m'a expliqué. Ah, moi je lui ai demandé, je vais pas me gêner, moi. Bon, c'est bon, la rondelle est réparée, tout va bien. Voilà, et bon, enfin, je l'ai dit, tant que j'ai le micro, il y a peut-être Jeannot qui va venir, et puis le renard, je sais pas. Je sais pas s'ils vont arriver ou quoi, j'en sais rien. Voilà, voilà. Allez, on va laisser un petit blanc, comme vous voulez, si quelqu'un d'autre doit arriver. Et un petit break, si vous voulez. Oui, il est 73, si, là, j'ai reconnu. Et bien voilà, avec ma mémoire de poisson rouge, ça fiche le camp. T'as reconnu, c'est Bernard. Oui, voilà, de Bazas. Reconnant. Ah, c'est pas le même. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre que j'entends pas de mon côté. Mais les bons 73 Rémi, les bons 73 Coyote, mais peut-être que je n'entends pas. Je laisse tranquillement le micro. Ah non, c'est Daniel. Voilà, 428. Exact, très content, une cordialité, les plus sincères et les plus féroces qu'il peut y avoir sur l'air. Voilà, vous deux, puis je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui s'est venu juste d'arriver. J'ai entendu Coyote, donc je le salue aussi, je renouvelle, et puis toi, voilà. Juste, je suis arrivé quand tu disais que tu as contacté.
un OM qui était dans le 09. Et bien, je l'ai contacté hier, moi aussi, parce que c'était magnifique. J'aurais cru qu'il était là. Et il m'a parlé si je connaissais un génie. Mais oui, je dis, on n'est pas très loin. Bon, disons qu'on n'est pas, moi je dis jamais très loin. Puisque quand je t'entends, c'est au bout de l'antenne, juste au-dessus de ma tête. Donc, il n'y a que juste 5 mètres, même pas, tu vois. Allez, retour, Rémi. En gros, c'est ça. sur mon groupe Facebook, j'ai laissé un petit message à son justement là pour lui. Et donc, dans le QSO, il y a Florent Galgon, Thierry Le Coyote, Eric 14-8-27, Christophe Langoiran, et puis toi, maintenant qui vient d'arriver. Oui. Pourquoi tu dis Eric 14-8-27? Ouais, je vais te dire ça de suite, parce qu'il y a aussi un Eric 14 Yankee Lima 438. Ah, ok, ouais, ils sont purs, ouais, d'accord, ouais, ça sent très Daniel. Je sais pas pourquoi j'ai dit Bernard, je sais pas, ouais, je sais que c'est Daniel, mais je sais pas pourquoi j'ai dit Bernard. Voilà, je sais pas pourquoi. Excuse-moi, Daniel, hein. 73, Daniel. Daniel 428, t'as entendu Eric? Oui, non mais tu sais que j'ai l'habitude de laisser un tout petit peu le blanc, hein, donc un petit blanc, tu vois, avec quelques gouttes qui tombent à l'intérieur. Je rigole, non, mais j'ai bien entendu Coyote, les bons 73, je renouvelais le Coyote, et j'ai envoyé le message, et j'attends un retour pour ce que je t'avais dit, et ce que je t'avais promis, hein. Alors, sois patient, il paraît qu'il pleut ce week-end, et il risque d'y avoir une poussée, mais ça c'est pour Coyote, il m'aura compris. 73, Eric, donc Eric là, qui vient juste parler dernièrement, et puis ma foi, à tous les autres OM, je ne les ai pas entendus, mais ma foi, à tour de rôle, je les entendrai, et je les saluerai, voilà, très content de vous entendre. Voilà, Rémi, je te repasse le micro. Ok, eh bien, je retournais le micro sur le premier arrivé dans le QSO, c'est-à-dire Florent de Galgon. Ça, c'est du blanc, ça. Blanc, lui, là, s'il n'y a pas du blanc, non, il a dû partir, là. Il a dû partir, ouais. Ouais, Daniel, ouais, pas de soucis, ouais, parce qu'on avait parlé, là. Ouais, quand t'as quelque chose, voilà, tu me tiens au courant, il n'y a pas de soucis. C'est un message reçu. Pas de soucis, mais je repasse le micro à Bélerine et Eric pour Daniel. Voilà. Comme je sais pas si vous entendez. Ouais, tu dois bien entendre quand même, Eric. Bien sûr que j'entends Daniel, mon petit Daniel. J'espère que tu vas bien. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas de soucis, ça passe ce soir. Maintenant, ça va peut-être pas durer, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de problème. À toi, Daniel. Oui, non, ce soir, oui, il n'y a pas de problème. Donc, ta bonne réception de ton côté, c'est merveilleux par rapport aux autres soirées. Voilà, comme je ne marque rien, quand j'étais copié là. Voilà, non, c'était avant-hier, je crois. Je crois que c'était avant-hier, ça. Voilà, et donc, ça, très bien, ça marche très bien. Bon, c'est comme ça. Voilà, espérons que ça aille tout comme ça, tout, jusqu'à dépasser les 100 et quelques années. Voilà. Ça serait merveilleux, avec aussi bonne santé. Et puis à chacun, attention, pas que pour moi, hein. Allez, retour Eric. Eric, il t'a repassé le micro. Ah pardon, je croyais que c'était pour Rémi. Non, j'avais compris, pour Rémi, excuse-moi. Non, il a bien dit Eric. Ok, ouais, il n'y a pas de soucis. On peut dire Alzheimer, Eric, t'avais compris. Et il y a un break derrière. Désolé. Autant pour moi. voilà. Bon, mais je sais pas s'il y a d'autres personnes dans le QSO, parce que à part vous, j'entends pas d'autres personnes. Vous allez me dire ça. Oui, il y a une station derrière qui m'est arrivée petit en avant. Est-ce que des fois, ce serait pas Jean-Marie?
Il y a une station qui a repris le micro, là, juste une fraction de seconde avant Eric et en avant. Bon, ben, Christophe Langoiran, tu es toujours là ou tu es déjà reparti? Un bon petit café, ça fait du bien, là. Ah, tu m'étonnes. Bon, Jeannot, est-ce que t'es là? Je sais pas si j'ai pas entendu une grosse station qui est arrivée là. J'ai eu un petit coup de larcelle dans les oreilles, je te dis pas. Ton voisin, j'imagine. Salut larcelle du père. Comment vas-tu, Christian? Ça va. Ben écoute, il y a Rémi, il y a Daniel, de Bofi, il y a le Coyote, il y a une autre station, je sais plus qui c'est aussi. Voilà, je te retourne le micro. Ouais, qui va être le confort, on n'entend pas, nous. Non. Il va se mettre en condition, il arrive. Ah, mais vaut mieux, parce que moi, il va s'engueuler, là. Ok, Eric, c'est lequel, Christian, 14 Echo 43 ou 14 November Victor 159? 14 Echo 43. Ok, ça marche, merci. Salut Rémi, bonsoir à tous d'ailleurs. Bonsoir Christian, là c'est passé de 0 à 56 de mon côté. Les bosses sont 13. Ok, merci pour le contrôle, j'ai pas regardé le tien mais c'est assez violent quand même. Je salue Marie-Thérèse que j'ai déjà entendu, puis tous les autres copains, bonsoir à tous. Avez-y, je suis mon salaud là, j'ai le temps. Bonsoir mon petit Christian. Oh là là, 58. C'est pour vous éviter de tendre l'oreille. Ah mais je te dis pas ce qui me met dans les oreilles là. Ah, tu m'étonnes, toi qui es à côté, hein, tu dis attends, déjà moi la sauce qui m'envoie là, moi je l'entends en carton, alors toi qui es à côté, ça, c'est pas la peine, là ça doit péter le bordel. Heureusement que j'ai l'atténuateur. Hein. L'atténuateur pour la réception, hein, 73 Christian, donc voilà, moi je t'entends ici, fort, bien, clair, propre, c'est merveilleux, et puis à chacun, hein, voilà, l'aéroport de ce côté-ci, le plus faible c'est le Coyote, 55, et puis le reste c'est 58, 59, voilà, tout le monde se reconnaîtra. Bonsoir, monsieur Daniel. Oh, pas tant de monsieur, c'est tout court, Daniel. Je ne peux pas t'appeler madame, quand même, je ne peux que t'appeler monsieur. Non, j'étais surpris, c'est tout. Moi, je passe petit. Oh ben alors, j'arrête la radio. Qui c'est qui me remet au fond, là? Michel. Tu l'as vexé. On l'appelait Bim Bim. J'ai voulu faire du DX l'autre jour, alors il y avait Coco Vert, je crois, qui entendait parler légèrement, il dit à son copain là-bas, à côté des Antilles, et j'entends quelqu'un qui murmure, c'est Michel, et putain qu'il a pas bien pris. Tu m'étonnes. Aïe, aïe, aïe. Il dit, je vais te la refoutre du mur, ne bouge pas. Ah, je rigole. Ah oui, là, il avait, elle a plombé. Daniel, tu m'entends petit? Oh, c'est bizarre. Tu t'entends murmurer? Tu m'entends murmurer, Daniel. Quand tu vas avoir le quadra, ça va aller mieux. Ah, je pense. Attends, je t'ai pas dit murmurer, je t'entends petit, disons que c'est le signal petit, hein, mais la qualité radio est là. Hein. Attends, hein, pas confusion. Ah bon, tu m'as fait peur. C'est bon, petit Daniel, tu m'entends comment ce soir-là? Ta mère. Oh que non, très bien Eric. Oh là là, si tu
Saint-André, je n'en reviendrai pas, c'est merveilleux. Comme Christian, pareil, ça c'est bien enveloppé et tout. C'est la propale qui est de l'autre côté peut-être aussi. Ouais, elle est résorbée derrière, qui sait. Ouais, j'ai entendu, ouais. Ouais, aussi, j'ai entendu, il est un peu aigu. Il n'y a pas du dos, les fois, par là. Il n'est pas là, ce soir. Ah, il n'est pas là, d'accord. Il a dit qu'il serait pas là, oui. Et tu n'as pas entendu, il était là, en plus. Il est malin, ce con, Eric. Hein. Tu n'as pas entendu qu'il a dit qu'il faudra demander si la rondelle à Rémi va bien. Non, mais je parlais de Ludovic, Ludovic 33. Mais c'est de lui que je te parle, moi. Ah, d'accord. Non. Moi, c'est une histoire de rosée, là. Et c'est pas vrai quand il a dit que Rémi avait des problèmes d'antenne, c'était une question de rondelle, alors il s'inquiétait pour la rondelle. Mais si, c'est cela quand il a dit. Fais gaffe à ce que tu dis, parce que il a, Rémi, il a son Y, il a pas loin. Alors attention à ce que tu racontes, tu coyote. Connerie, je raconte ce qu'on m'a dit hier soir. Attends, moi c'est pas des conneries, tu pourras demander à Ludo. C'est ce qu'il m'a dit. Il avait dit demain soir, en parlant de ce soir, qu'il serait pas là. Et il me dit, il m'a même dit, tu prendras des nouvelles de la rondelle de Rémi. C'est pour ça que je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais pas obligé de lui demander. Ça te fait sourire, ça doit être encore quelque chose de très mal placé. J'avais compris, moi, de toute façon, mais je connais la voix des hommes, attention, si tu dis que Rémi a perdu la rondelle, va le prendre. Allez, retour, Rémi. Oh putain, ça risque pas, justement, elle est en train de rigoler, là. Elle est devant la télé, elle est en train de rigoler. Tiens, je profite pendant que j'ai le micro, oui, voilà, il reste plus que 8 minutes, c'est bon, pour donner quelques news. Est-ce que tu as vu, là, un petit peu là, ce qui se passe au niveau là, du canal 27, enfin plutôt du 27-275, à part notre QSO? Ouais, excuse, toi Eric. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du canal 275? Alors, déjà, le 17 avril dernier, il y a le club, là, le Sugar Delta World, qui ont adopté le 27-275 comme étant leur fréquence d'appel DX, pour rester là dans le cadre légal des 40 canaux. Et là, maintenant, il y a le RCI, c'est-à-dire Entente Radio Club et Indépendant, qui vont faire leur premier QSO d'info sur le 27-275 en FM mardi prochain, mardi 8, voilà c'est ça, mardi 8 novembre à 19h. Donc mardi 8 à 19h sur le canal 27, 27-275 en FM. Alors je ne sais pas si nous on arrivera à les entendre, je ne sais pas trop où ils sont. Attends, si j'ai peut-être une info, du côté de Mulhouse. Ah ben, si la Propag veut bien être là, on arrivera peut-être à les entendre. Ouais, voilà. Comme quoi, tu vois, ça fait deux clubs là qui s'intéressent de très près à notre fréquence. Eh bien, écoute, c'est bien quand même, quoi. Parce que ça prouve que les gens s'intéressent et puis voilà, donc ça évolue un petit peu. Ah oui, exactement. En tout cas, concernant les Sugar Delta World, j'ai pas encore entendu d'appel de leur part. Non, mais à mon avis, ça, c'est pour le cadre administratif, quoi. Comme ça, ils font pas d'incitation auprès de leurs membres à être en dehors de la réglementation. Et ils se couvrent comme ça. À mon avis, ça doit être que pour ça, quoi. Mais autrement, le RCI, là, bon, bah, c'est marqué sur leur site, hein, là, pour mardi 8 novembre, à 19h, sur le canal 27, 27-275 en FM, pour leur premier QSO d'info. Donc là, par contre, ça, oui, ils vont vraiment le faire. Ouais, 19h, c'est un peu tôt, peut-être, après. Ça dépend de... Je sais pas. Oui, c'est vrai que... Enfin, du moment qu'ils ne font pas le vendredi soir et samedi soir à partir de 21h, nous, ça nous convient, nous. C'est clair, il n'y a pas de souci, ouais. Ok, bon, est-ce qu'il y a d'autres breaks derrière? Oui, le bip.
Ouais, le bip. Bah, s'il y a que ça, je peux enclencher le mien aussi, hein. Attends, il s'est pas aperçu qu'il n'en avait pas de bip. Il marche peut-être avec le bip. Avec Christian, en fait. Oui, je vous écoute. Il t'a rappelé, Maxime, ou pas? Je crois pas, non. Je m'en suis aperçu. Non, c'est pour savoir si tu as mis ce petit message et comme il devait s'en occuper. Je vais appeler demain matin. Ok, qui est? Bon, voilà, le retour bip. J'ai mis le mien, il te plaît? Comment, si c'est pas quoi faire, je sais où il peut se le mettre. Il y a un endroit où ça s'appelle la rondelle. C'est plus à la mode ce soir. On va faire un club peut-être. Surtout que là, le cul dont on parle, c'est le cul de l'antenne. Voilà, faut pas se tromper, quoi. Hey, Rémi. Oui. T'as été voir un peu sur le site de Radio M33. Ouais, mais j'ai peut-être pas vu, vas-y, dis. Tu vas voir le prix du 452 comme il a monté. Dis donc, on dirait que t'es passé à temps, alors. Eh bien, oui, tu vas voir le prix, tu vas te surprendre. D'accord, ok, bah, je vais pas y aller maintenant parce que là je suis en QSO, mais ok, je regarderai ça, bah, j'aurai ça demain, hein. Demain ou après-demain, hein, parce que là je bosse ce week-end en journée, donc j'aurai du temps libre. Ah oui, la prise de sang, j'ai claqué. Ouais, d'accord. Ouais, demain, après-demain, je suis sur Bordeaux, enfin tu sais où. Bah. Ok, pas de problème. Monsieur Daniel Le Bouclier, tu es toujours là. À côté, moi je vous écoute d'une oreille, c'est tout, voilà, donc oui je suis là Eric, qu'est-ce qu'il y aurait? Non, je te disais, c'est de savoir si tu étais toujours là pour te repasser un petit peu le micro. Là je disais que je demandais à Rémi tout à l'heure qu'il était faire un tour sur Radio M33 par rapport au poste là, que j'ai acheté là, le 450D, il a pris une sacrée augmentation. Ok, ton chan, non, je sais pas au courant, bon, je suis pas allé moi non plus, je vais te dire, et j'ai pas regardé ce que tu viens de dire non plus, tu vois. J'ai eu mon copain là, que j'avais amené ce jour-là, là-bas, il m'a appelé hier, pour essayer de récupérer son poste, mais bon, jusqu'à là, il n'a pas eu la nouvelle, donc il attend patiemment qu'on l'appelle pour aller le récupérer, tu vois, donc je vais y revenir que ce jour-là, là-bas. Et je regarderai, bon, d'ici là, il y aura encore quelques petites augmentations de son côté, hein. Donc, voilà. Voilà pour te dire, voilà Eric. Ouais, non, mais comme je suis à côté sur votre de l'autre côté là-bas, sur votre poste, c'est pour ça que je vous écoute, mais ma foi, si j'entends qu'on m'appelle, je reviens chaque fois. Voilà, je ne me fais pas plus loin, je te repasse le micro. Ok, il n'y a pas de soucis, non, mais à la limite, tu regardes sur le site internet, tu vas voir. Hein. Voilà, c'est juste une petite info. Ok, allez, mon voisin, à toi, Christian. Non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vous écoute gentiment, ça a l'air bien calme. T'es en train de bisouiller, toi. T'as tout compris. Je m'en doutais. Ok, allez, Coyote. Ok, il doit être en QSO parallèle. Et pourtant, Christian, le matin, c'est beaucoup plus bavard que ça, sur votre fréquence. Sur quelle fréquence, tu dis? Ah, je me trompe. La fréquence habituelle du matin. Le 400? Ouais, voilà. Ouf. C'est pas très sérieux avec les sites. Vous n'êtes pas le roi lorsque je passe. T'es con. Il faut bien être roi un jour. Hein. Comme moi, je suis le roi des cons. C'est au moins un avantage, tu le sais. Au moins, je le sais, au moins, voilà. Parce qu'il y en a, ils
c'est casse-cou, il faut toujours le répéter. Mais tu sais, on est toujours le compte de quelqu'un. Moi aussi, je suis le roi, je suis sur le trône le matin. Ça, c'est vrai, on est toujours le compte de quelqu'un.